Décembre 2016, pour la première fois, était organisé un forum santé jeune à la médiathèque de l'abbaye Nelson Mandela à Créteil. Nous avons suivi une classe de 5e du collège La Place, assistant à différentes animations proposées par des intervenants. Avec le centre communal d'action sociale et une diététicienne, les enfants se laissent prendre au jeu du quiz portant sur les connaissances en prévention nutritionnelle, savoir classer les aliments comme ici par exemple. Ah, c'est des légumes, c'est quoi ? C'est de la soupe. Ça, ouais, donc on l'enlève, ok. Et ouais, parce que plus on consomme de sucre, plus on a envie d'en consommer. Donc, boisson sucrée uniquement. Nos collégiens étaient très attentifs aux recommandations données par la diététicienne. Quand on est fatigué, on n'a pas envie de bouger, donc on est inactif. Et ensuite, quand on manque de sommeil, il se passe plein de choses dans notre corps qui font qu'après on va avoir plus envie de manger dans la journée et on va avoir tendance à grignoter. Donc pas de sport, pas d'activité physique, plus de grignotage, égale je prends du poids. Des animations autour du toucher et de la senteur pour reconnaître des fruits ou des légumes leur étaient également proposées. Alors vous faites tous des têtes bizarres là quand vous sentez celui-là. D'accord. L'association Les Transmetteurs, composée de médecins à la retraite, initie au geste de premier secours afin d'apporter une aide précieuse à une personne victime d'un malaise. Ça se voit. Oui, sur le ventre, oui. Ça s'entend avec l'oreille et ça se sent sur la joue. Voilà, vas-y. C'est dur, c'est dur. Ne touchez plus la vitre. Attention, le choc va être délivré. 3, 2, 1. Le choc a été délivré. Voilà, et on va la mettre sur le côté, comme ça, avec la tête un tout petit peu comme ça, on ouvre la bouche, et comme ça, si elle vomit, au lieu que ça parte dans la trachée, ça sortira dehors. Une ostéopathe de Créteil sensibilise les enfants sur le mal de dos, expliquant son rôle et l'importance des étirements pour éviter ces problèmes récurrents. La tête, le dos, les fesses et les jambes alignées. Au niveau de votre oreille. On plie le coude comme ça par-dessus la tête. Et avec le bras gauche, étirez. Alors on y va toujours doucement. Un étirement, c'est toujours fait doucement. Voilà, et ça on maintient quelques secondes. Lors de cette journée, d'autres partenaires étaient présents, où des thèmes divers et variés ont été abordés, aussi bien pour des collégiens que des lycéens, au cours de l'après-midi. Le public pouvait se rendre à la médiathèque également, pour y participer en deuxième partie de journée. Un grand merci au service politique de la ville qui a organisé cette journée, et à tous les participants qui ont contribué au succès de ce forum Santé Jeune.